Bubble Fun. Allô, Athéna, coucou, Calice, comment ça va aujourd'hui, les filles? Ça va. Alors, on est où aujourd'hui? À Peppa Cup. Alors, Peppa Cup, regardez, je crois que vous avez deviné. C'est un site d'acrobranche, mais pas que. Mais là, on va faire de l'acrobranche, aussi des structures gonflables, des trucs, machin. Alors, c'est pas un placement de produit, on va venir s'amuser. On connaît, on est déjà venu. On est parti? Ouais. On va faire plein de petites grimpettes dans les arbres. Ouais. Allez, c'est parti, go! Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet avec le premier parcours. Donc Athéna, toi qui fais entre 1m20 et 1m30, 1m30, oui c'est ça, tu peux faire les 5 premiers parcours. Bravo Calice. Alors aujourd'hui, il y a particulièrement du monde, parce qu'au moment où on tourne, c'est encore les vacances, voilà, c'est la fin. Et il y a énormément de monde, en plus il fait beau. Alors pour les fidèles, je suis sûr qu'il y en a qui attendent la position du caca. On vous montrera ça peut-être tout à l'heure. C'est bien Athéna. Bravo. Alors Athéna, tu m'as pas dit, t'as déjà fait un parcours aussi haut? Je sais pas. Tu sais pas? Non, c'est le premier je crois, hein. C'est la première fois. Hein. C'est nouveau ça? Ouais. Ouais. Je sais plus ce que c'était la dernière fois, il faudrait regarder la précédente vidéo quand on était venu. Parce que voilà, c'est près du Mans, c'était pas cap. Alors on a payé notre entrée, donc voilà, mais on se fait énormément plaisir, on connaît. Génial. Dans la nature, comme ça, il n'y a rien de tel que l'acrobranche. À quoi tu joues? Je sais pas. Je sais pas. Donc là, ça bouge un petit peu la caméra, désolé, parce que je suis en plein dans le vide, là. Je J'ai failli perdre l'équilibre. Ah bah si, je suis bête, t'avais fait de l'acrobranche en Égypte. T'étais très haute en Égypte aussi, Athéna. Donc c'est la deuxième fois. Mais c'était pas dans des arbres, c'était sur des falaises. Ah, c'était trop bien ça. Oh là là. Alors regardez, tu peux y aller quand tu veux. La première tyrolienne du jour pour Calice. Yes. Bravo Athéna! Attention, c'est parti! Et voilà! Bravo! Et c'est donc la fin du premier parcours. On enchaîne avec le 2, il n'y a personne? Allez, let's go! Eh, hey, pas maintenant! C'est plus dur là, hein? Ah oui, chaque niveau, forcément, devient de plus en plus compliqué. Ça aussi, ça y était pas la dernière fois. Hein. Ouais, ça fait un oui, après, oui, oui. C'est drôle. Ah, d'accord. Tu vois, t'es pas cap. Eh oui, écrit t'es pas cap, on peut pas se tromper. C'est bien, parce qu'il y a plein de trucs nouveaux. Ça, je connaissais pas. Ça, c'est ingénieux, ça, c'est marrant. Allez, donnez-moi du T. Donnez-moi du E. Donnez-moi du P. Donnez-moi du A. Donnez-moi du C. Donnez-moi du A. Donnez-moi du P. Donnez-moi du T, pas cap. À la fin, il y a un toboggan. Oh! Ah oui! Bon, ça, c'est fastoche. Non,
C'est un peu plus dur là pour toi, Athéna, non? C'est drôle, en fait, nous on prend la corde et après on se laisse balancer comme ça fait Tarzan. Ouais, exactement. Et là il y a Calice qui va faire du toboggan. Ouais. Ça va, Athéna? Ouais. Ok, maintenant on va passer au parcours 3. Bon, finalement, avant le 3, on va faire le 5 alors. Mais moi, j'étais en fait. Donc ça, c'est le parcours numéro 5 finalement, parce que le 3, il y avait un petit peu de monde. Et ça commence direct par une tyrolienne. Athéna. Et une personne par tyrolienne aussi. Une personne par tyrolienne. Oui, bien sûr, enfin oui, c'est mieux. Et parti pour Athéna. Bravo. Attention, c'est à mon tour. C'est quoi cette position? Ah, c'est la position caca. Ça, on l'a inventé il y a quelques années, cette position là. Ouais. Vous avez vu, c'est un jeu d'enfant, l'acrobranche, hein. Bon, c'est à mon tour. Let's go. Wow. Ah, ah, moi, tout à l'heure, j'ai foncé comme une dingue. Je suis atterri comme ça, là. Tu m'étonnes, elle va vite, celle-là. J'ai failli repartir en arrière, j'ai rebondi. Athéna, tu sais comment ça s'appelle, ces plantes-là? Oui. Comment? Fougères. Oui, des fougères. Donc on va pouvoir faire la conclusion. Soyez fous, soyez gères, soyez fougères. Lol. Bon, allez. Je... Ok, bah, ma blague, elle est tombée à l'eau, quoi. Ah. Libéré, fatigué, je ça, c'est l'agenda de Cali. Vous allez voir la liste, la chasse aux fournitures scolaires. Mais ça n'a rien à voir, je sais. Allez, elle est partie. Oh. Elle va tomber dans les fougères. Allez, à toi, Athéna. Toi, t'es pas folle, toi. Toi, t'es quelqu'un de raisonnable, de sérieux, de posé. Tu vas pas te balancer comme Calice. Oh bah si, elle aussi, non. C'est quoi ces filles? C'est parti. Oh, les fougères. Ah, c'est la dernière du parcours, on dirait. Mais t'as vu ce qu'elle fait? Elle est dingue, ta sœur. C'est parti. C'est pas un hamac, hein. Et voilà, c'est la fin du parcours. Allez, on passe au parcours suivant. Next. Et ça y est, nous revoici au parcours numéro 3. Il n'y a plus personne. Cerceau de feu. Ah.
Allez, à moi. Donc là, la particularité, c'est que ça monte et que ça descend. En fait, c'est plutôt la descente qui est compliquée. Pas glissé. Ah, il y a calice anti-roulienne. Allez, c'est parti. Je vais repartir dans le sens. Au secours! Athéna, on a fait les 5 parcours que tu pouvais faire parce que tu fais moins d'un mètre 30. Et bah, tu peux refaire les 5 comme tu veux, toute seule, tu as le droit. Et moi, à la limite, tu peux essayer d'en faire un ou deux avec Calice, qui elle peut en faire plus parce qu'elle fait plus d'un mètre 45 et plus d'un mètre 30. Lequel tu veux faire? Le truc qui commence à partir du mur d'escalade. Là-bas? Oui. Ok. Alors, donc tu veux faire celui-là, Calice? Celui que tu voulais faire à la base, il y a beaucoup de monde. Donc, bah ça, tu l'as jamais fait. Il n'y a que des tyroliennes XXL géantes. Je ne sais plus combien il y a de centaines de mètres de descente, mais tu vas kiffer. Moi, je vais rester avec Athéna. À tout à l'heure. À tout à l'heure, et tu nous donneras ton opinion. Si jamais vous voulez voir, oh, regardez là-bas. Si jamais vous voulez voir toutes ces descentes en tyrolienne, eh bien, je vous mets la vidéo qu'on avait déjà faite. Et moi, j'avais filmé toutes ces descentes. Vous allez voir, c'est excellent. Alors, on va où nous? Nous, on va faire les petites tyroliennes. On va faire le 5. Ah, mais bon. Ah, il est là. Athéna, elle est où, Calice? Tu sais pas où elle est, Calice? Regarde. Elle est là-haut. Elle va passer au-dessus de nous. C'est la première grande tyrolienne. C'est parti, là-bas, là. Tu lui fais coucou? Coucou! Excellent. Alors, c'était une bonne descente, ça, hein? Yes. Yes. T'en as encore 3. Attention, tyrolienne suivante. Calice est là-bas. Et c'est parti. Ouais, c'est dur d'arriver au bout à celle-ci. Et maintenant, hop, bravo. Sans les mains, tranquille. Les bras, les bras, les bras. Attention, la dernière tyrolienne de ce parcours numéro 10 pour Calice. Ouais. Trop bien, c'est vraiment génial. Alors Calice, c'était comment? C'était top. Ouais. Première fois que tu faisais ce parcours, c'est génial, hein, ça va vite. On fait quoi maintenant? Parcours numéro 5 avec Athéna. On avait fait une petite pause pendant que Calice faisait sa big descente. Donc tu peux essayer de faire ça s'il y a moins de monde, Calice. C'est parti pour la Via Ferrata. Ça y est, effectivement, il y a moins de monde. Donc en fait, comment ça marche? Je crois que j'avais filmé, mais je suis plus sûr. Tu montes grâce au petit crochet qui va arriver, ça c'est la sécurité, donc tu vas monter par les différentes échelles, après tu vas rejoindre les petits troncs d'arbres, après tu vas passer sur le côté, il y a une planche qui descend, voilà, après il y a une mini tyrolienne qui fait ça, là il y a un filet, et ensuite on descend
avec les cordes, les filets. Allez, amuse-toi bien. Là, c'est de la via ferrata. C'est un petit peu ce qu'on a fait en Égypte pour le coup. C'est de l'acrobranche, mais sur la falaise. Mais là, c'est pas de la vraie falaise par contre. Là, c'est contreplaqué. Mais ça reste très fun. Ça va? Ça se passe bien? Il est pas très dur, hein. Il est pas très dur. Et nous, Athéna, je te propose d'aller faire le parcours numéro 5. Tu veux? Allez, c'est parti, let's go! Bon, une fois n'est pas coutume, on ne fait pas le 5, on fait le 3 parce qu'il y a beaucoup de monde dans le 5. On le fera tout à l'heure. Quoi, il y a beaucoup de tyroliennes, hein? C'est vrai, ça fait beaucoup. Donc là, on refait les petits niveaux qu'on a vus tout à l'heure. Bonjour. Oh, oh, oh. Bravo petit singe. Le voilà le singe. Non, 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 je suis devant. C'est moi qui va devant. Ok. Oh, je te connais toi. Vous avez fait quoi? On a fait de l'acrobranche, c'était très sympa, on a été pas cap. Franchement, t'aurais dû venir. Bah, je suis à peu. Ah bah oui, on y est encore. Mais quel parcours? On a fait le 3 avant. Mais j'étais en train de discuter avec Calice. Elle est déjà partie. Alors Calice, c'est parti faire le parcours numéro 9, qui est très compliqué. Hein. Très physique. Je vais te rattraper, tu vas voir. La 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 la. Ah! Ouais, mais là-bas ça bouchonne, donc je vais forcément la rattraper. Et voilà, je t'ai rattrapé, Athéna. Mais pas de ma faute, t'as trop de cœur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, j'aurais eu du mal. Hein. Comment ça va, Calice? Ça va. Eh, je pensais à un jeu. Je pensais à un jeu de cache-cache-chat. C'est-à-dire que toi, tu comptes pendant, je sais pas, 30 secondes. Et donc, on doit chercher, on doit trouver le parcours qui nous convient entre le 1 et le 5. Et toi, tu dois nous trouver dans un des parcours et nous rattraper et nous toucher. Est-ce qu'on le fait ce cache-cache? Oui. Ouais. Donc, je rappelle les règles. Moi, comme il faut que je sois avec Athéna, je te propose de compter, Calice, jusqu'à 30. Okay. Ok. Bien sûr, tu ne regardes pas où on va. On va dans un des 5 parcours auxquels a le droit Athéna. Et il faut que tu retrouves le parcours dans lequel nous sommes et que tu nous rattrapes et que tu nous touches avant la fin du parcours. Donc, afin que notre... avant la fin, c'est-à-dire avant que la ligne de vie soit terminée, on va dire. Est-ce que vous avez tout compris? Ok, attention, Athéna, t'es prête? Tu m'as dit tout à l'heure, on va aller voir ce que tu voulais faire. Je le dis pas, bien sûr. Ne dis rien, j'espère qu'il y aura personne. Attention. Wow. Alors, ferme bien les yeux. Oui, regarde par là si on y est, attends-toi. Vous y êtes pas. Oh, on ne triche pas. Ah. Attention, attends, attends. 3, 2, 1, c'est parti. Personne. Ah là là là. Tiens. Vas-y. Notre avantage, c'est qu'il y a quelqu'un derrière nous. Je sais pas trop où est Calice pour l'instant. Ah ça y est, je la vois. Elle est là-bas. Au fond. Chut, Athéna. C'est bien Athéna. Tu la vois Calice? Elle est là-bas. Ça va, on a le temps, Athéna. Prends ton temps, on a le temps. En fait, 30 secondes, c'est trop. Ah, elle revient par là, va nous voir, ça y est, vas-y, c'est pas grave, on a de l'avance, on a de l'avance, on est bien. Ah, ça y est, elle nous a vu. On a été repérés.
Je crois qu'on a gagné là, hein. Non. Non. Tu triches pas un peu là. Hey, je sais, mais bon, normalement faut que tu nous rattrapes dedans. En même temps, il y a des gens derrière, tu pourrais pas nous rattraper. Vas-y Athéna. On est aux deux. On va dire que ça compte pas parce que c'est un peu facile là. Alors on peut pas appliquer là, on peut pas donner le point parce que c'était dans le parcours, tu devais nous rattraper par nous attendant. La sortie c'est trop facile sinon. Ah oui, mais vous avez pas précisé. Si. Non. Bon, alors c'est le premier qu'on faisait, on va changer un petit peu la règle. Bon les filles, mais Athéna, papa, on a gagné cette première manche. Maintenant c'est moi qui vais compter. Calice, toi tu as le droit d'aller avec Athéna dans les parcours de 1 à 5. Et je vais changer un petit peu la règle du jeu, c'est-à-dire que je vais compter jusqu'à 30. Et donc le but est de vous trouver, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous cachiez sur les plateformes, derrière les arbres ou derrière un petit obstacle, derrière une petite épreuve. Dans un tuyau, voilà. Mais le but, c'est de terminer le parcours. Alors restez pas dans le tuyau pendant une demi-heure, ça compte pas. Ok. Et si vraiment il n'y a personne derrière vous et que je vous trouve, je rajoute la difficulté de vous rattraper dessus. Par contre, s'il y a quelqu'un derrière, je ne pourrai jamais vous rattraper. C'est pour ça qu'en fait, on change un petit peu la règle. Vous partez quand vous voulez et moi je compte. 3, 2, 1, go. Ah, mais je vais par là, moi. Allez, 1, 2, 3, 4, 16, 5, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30. Ça y est. Alors, donc là-bas, il y a le 5. Elles ne sont pas au 5, c'est très dégagé. Je ne les vois pas en train de grimper. Elles n'ont pas le droit de se cacher dans les fougères. Elles sont obligées de prendre... Voilà, ce qui génère cette tyrolienne-là. Là, c'est l'initiation. Parcours 1, 2, 3. Donc là, je prends... dans l'ordre, on va essayer avec le 1. Oh là là. Ah, il n'y a personne derrière. Donc là, je rajoute la règle de faut que je vous rattrape. Ça se complique. Allez. Donc faut que je la rattrape et j'en touche une des deux avant la fin. Hop là. Vous avez 3 épreuves d'avance en plus, c'est pas mal. C'est parti. Mais c'est qu'elles vont très vite, hein. Elles sont en confiance là. J'aime pas celui-là. Hop, hop, hop. Ah, ah, il y a quelqu'un là-bas devant vous. Hein. Ça va peut-être bouchonner. Ah oui, c'est la tyrolienne, c'est la fin presque. Je vais vous rattraper. Ah, ça bloque. Hop là. Tac, tac. Alors c'est pas évident quand il y a quelqu'un derrière ou quand il y a quelqu'un devant. Là c'est qui vont être un petit peu. Oh, déjà dans la tyrolienne, Calice. Oh, attends, il y a quelqu'un. Oh. Ah, mais j'accélère. Ah, ça j'adore. Il en reste l'escalier, c'est pas vrai. Ouais, je vais y arriver. Allez, plus qu'une épreuve. Non. Zut. Oh là là, en plus j'ai cru que j'allais y arriver parce qu'il y avait quelqu'un devant. Bon bah bravo. Eh ben elle était bien avec cette règle là. Ouais. Est-ce qu'on fait une troisième manche? Oui. Ok. C'est moi qui me cache. Ok. Allez, retour à notre endroit initial. Donc là je récapitule. J'ai marqué le point tout à l'heure avec Athéna, un partout. Après, toi tu as marqué le point avec Athéna. Donc c'est Athéna qui... deux points pour l'instant, deux points pour Athéna, un point pour Calice, un point pour moi. Troisième manche, là c'est Calice qui part toute seule.
Et moi, je vais compter avec Athéna. Et même règle, il faut qu'on te trouve. Et s'il n'y a personne derrière toi, il faut qu'on te rattrape et qu'on te touche avant la fin de la ligne de vie. Si tu gagnes, Calice, il y a égalité avec ta sœur et toi pour ce match. Si c'est nous qui gagnons avec Athéna et moi-même, donc, eh bien, Athéna gagnera ce match. Ok, t'es prête? On te laisse combien de temps? 30 secondes aussi? Ça marche. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 32. Et moi j'ai compté jusqu'à 32. Oh, on n'a pas compté à la même vitesse. Elle est là-bas. Ah oui. Ah, toi tu l'as vu direct, hein? Tu montes avant, alors je te rattrape. Ah oui, elle voulait se cacher dans le tuyau à la base. Elle voulait se cacher dans le tuyau. C'était bien, c'était malin, c'était bien vu. Maintenant, il va falloir qu'on te rattrape. Tiens, Athéna, c'est ici. Elle est loin là, Calice. Elle speed, hein. Athéna, speed. Alors, Calice est là. Oh là là, c'est la fin. On n'y arrivera pas, Athéna. C'est sa dernière épreuve, c'est la tyrolienne. Elle va gagner son point. Alors, Calice, joueuse, elle attend. Elle fait semblant d'attendre. T'es joueuse, hein, tu fais semblant d'attendre, après tu vas partir. Vite, Athéna, tu vas y arriver. Vas-y, là. Ça va? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles vont plus vite que moi maintenant. Je t'ai retardé par une fan, adorable d'ailleurs, Johanna. On te fait un bisou si tu nous regardes. Et là, je vais même pas pouvoir rattraper Athéna, moi. Ouais. Ouais, bravo Calice. Calice a marqué le point. Elles sont loin. Je suis loin, moi. Hein. Donc, ça fait un point pour moi. Deux points pour Athéna, deux points pour Calice. Il y a égalité. C'est génial, en fait, ce truc. Le cache-cache. Bravo, les filles. Bravo, Calice. Hé, hey, papa. C'est pas une ligne de vie, ça. C'est une barrière. On n'a pas réussi à Athéna. Tu t'es très bien débrouillé en fait, t'étais super rapide. Waouh. C'était quoi ton astuce? Ta stratégie, c'était de te cacher dans le tuyau? Oui. Ouais. Oh, t'as vu, mais c'est vrai que pour te rattraper, c'était chaud. Bravo. En fait, c'est 20 secondes qu'il faudrait mettre. 30 secondes, c'est trop. Mais il y a égalité entre vous deux. Bravo les sœurs. Les sisters d'amour. Et ça y est, c'est la fin de cette partie, de cette vidéo, de ce vlog. Il n'y a plus personne. On va quand même en faire un autre pour le plaisir. En tout cas, bravo les filles, les sisters d'amour, t'as égalité. Perdu. Moi j'ai perdu. C'est pas grave, ça me dérange pas. C'était bien hein, cette partie de cache-cache-chat là, improvisée. Bah, on a chaud, on a chaud, on va bien dormir, on va y boire un coup. Et on se dit à bientôt ça, sur Studio Badalti. Et je vous laisse la conclusion les filles. Soyez doux, soyez bien, soyez bon, et vivez vos rêves. Allez, nous on continue pour le plaisir. Dans 5 minutes, c'est fermé. Par là, il y a le paintball. Par là, il y a le laser gun outdoor. Il y a de l'escalade. Il y a des tirs à l'arc. Vite, ça va fermer. Vas-y, go, 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 go.